Il est assez courant et commun de parler des physiocrates d'une manière générale, en tant que groupe, en tant même que secte, comme ils ont été appelés de manière un peu péjorative et même très péjorative à leur époque. Et pourtant, pour bien les comprendre, il me semble que le plus intéressant et le plus important, c'est de retracer le parcours et d'étudier les idées et les ouvrages de chaque auteur physiocrate de manière particulière, puisqu'ils ont eu, malgré donc ces appellations de secte, ils ont eu chacun des destinées très particulières et même des doctrines qu'ils ont développées de manière individuelle, qui s'est perdue à travers justement cette étude des physiocrates en groupe et qui pourtant est très forte quand on les analyse un par un et comme je souhaite le faire à travers ces vidéos. J'ai fait celle de Dupont de Nemours, une première partie du moins. Et aujourd'hui, je vais parler de Nicolas Baudot, qui est un auteur mineur de non seulement de la pensée économique, mais également du libéralisme, et puis pourtant qui a compté de manière très importante dans le courant physiocratique, puisqu'il est un acteur qui fonde. D'abord, il fonde cette revue qui va être la revue principale des physiocrates, qui est Les Éphémérides du citoyen. Il a également des ouvrages de doctrine comme La première introduction à la philosophie économique, qu'il écrit vers 1767 et qu'il publie en ouvrage en 1771, et qui est un des résumés et un des meilleurs résumés de la doctrine physiocratique. Il va travailler, il dit, j'ai travaillé 10 ans sous les yeux de Quesnay et 15, 20 ans après à détromper les autres grâce aux enseignements de François Quesnay. Et il a également une carrière assez longue d'ailleurs. Il meurt à 60 ans, mais il a une carrière économique qui est sur la durée à partir du début où il s'insère dans le groupe des physiocrates en 1765 et jusqu'à des étapes différentes. Il va être missionné en Pologne, où il va donc répandre ces idées physiocratiques et essayer de les appliquer comme beaucoup d'autres physiocrates vont le faire en Allemagne, en Italie. Lui donc va agir en Pologne et il va également se manifester sous le ministère de Turgot en 1776, 1774, 75, 76. À cette période-là, il reprend également une activité et même vers la fin de sa vie, il renouvelle d'ailleurs deux fois ses éphémérides, qui est vraiment sa marque de fabrique et son texte de prédilection. Avec également d'autres ouvrages un peu de circonstances sur des questions d'administration, de fiscalité, et toujours en défendant d'ailleurs de manière assez constante, même avant son ralliement à la physiocratie, il a déjà des idées de liberté du commerce, de réforme de la fiscalité, qu'il développe et qui d'ailleurs, dans un premier temps, il le fait pour soutenir des réformes à un ministre, le ministre Bertin, qui lui suggère de lui écrire des mémoires pour donner des avis sur des réformes à faire. Et ces réformes, il va continuer donc à les soutenir quand il rejoint le groupe des physiocrates dans les circonstances que je rappellerai. Et il donc poursuit ses écrits jusqu'à la fin de sa vie. Donc il a toute une carrière et il a également une singularité de doctrine puisqu'il est peut-être l'auteur le plus conservateur du groupe des physiocrates. C'est un religieux, comme j'aurai l'occasion de le dire, qui est très attaché également à la société d'ordre de l'Ancien Régime. Donc il ne veut pas une révolution ni de société sans ordre, ni d'ailleurs d'une république ou d'une démocratie. Sur lequel il est très critique, qui rappelle des aperçus qu'on retrouve au XIXe siècle également chez Tocqueville, chez Benjamin Constant, avec les bornes, les limites de la sphère de pouvoir et d'une démocratie qui ne peut pas être simplement un système par lequel on fait des lois à tort et à travers, des gens qui ne connaîtraient pas la matière et qui feraient des lois à tort et à travers. Lui est très attaché d'abord au laisser-faire. Ensuite à une autorité tutélaire qui est très simple et qui se contente de protéger la liberté, les libertés, qu'il définit d'ailleurs dans des textes assez importants, notamment sur la loi naturelle ou sur ce livre majeur qui est l'introduction à la philosophie économique. Et donc, à travers tous ses écrits, il développe une idée qui est sa physiocratie, qui est d'abord la défense de la propriété privée, la défense de la liberté, des libertés, et cette autorité tout de même importante, monarchique,
puisqu'il est très attaché à la monarchie, et une société d'ordre qui se maintient et qui, lui, défend tout de même jusqu'à l'aube de la Révolution, à travers un parcours que je vais avoir l'occasion de vous rappeler, ici à Chancelade, qui est dans le Périgord, là où il a été formé comme chanoine régulier, et il a passé une partie de sa vie, il a eu toujours des rapports avec cette abbaye, tout au long de sa vie, même s'il s'est émancipé et s'il a eu l'occasion beaucoup de vivre à Paris et également en Pologne et ailleurs, à travers ses activités assez nombreuses de journaliste, d'écrivain, d'économiste et de penseur donc, sous l'époque des Lumières. L'abbaye de Chancelade, alors elle s'installe d'abord sur un site préhistorique, puisque Chancelade c'est d'abord un habitat préhistorique. Donc quand l'abbé Foucault, quittant l'abbaye de Selfoin en Charente, ne souhaitant pas y vivre selon la règle de Saint-Benoît, arrive ici, il trouve un abri rocheux, il trouve déjà une petite communauté pas constituée d'ermites, et donc ensemble, il décide d'y vivre selon la règle de Saint-Augustin, avec l'accord de l'évêque du lieu, et petit à petit, il commence la construction de l'abbaye. Donc là, on est au début du XIIe siècle, les travaux commencent assez rapidement, puisque la matière première est sur place. Et si Chancelade a vu le jour, c'est parce qu'on a une source sur place, donc qui est la source dans la religion, c'est important, hein, c'est la Renaissance. Donc voilà, c'est cette source qui a donné la vie à Chancelade. Ils construisent l'abbaye, donc qui prospère de manière très rapide parce qu'elle devient propriétaire d'énormément de terres, de biens tout autour. Et avec des étapes importantes, comme la donation par Talleyrand du Périgord, qui va faire l'abbaye de Chancelade son héritière, à condition qu'il y ait 60 chanoines qui s'y installent, donc ça suppose des constructions. Donc une occupation pendant la guerre de Cent Ans sans dégradation, des dégradations au moment de l'occupation par les Huguenots en 1575, où l'abbatiale est en partie détruite et donc reconstruite un petit peu plus tard par Alain de Solminhac. Alain de Solminhac qui va être le grand rénovateur de l'abbaye de Chancelade, mais bien au-delà, puisqu'il a participé à la réforme des abbayes en France. Il a fini donc par être nommé un petit peu contraint, on va dire, évêque de Cahors, pour peut-être le sortir un petit peu de cette réforme qu'il veut imposer un petit peu partout en France. Mais n'empêche qu'il a quand même reconstruit l'abbaye de Chancelade, qui a un rayonnement très important, parce que ça devient une abbaye royale. Une abbaye donc où on perçoit l'impôt, et une abbaye aussi où il y a une vie culturelle très importante autour de pas mal de personnes, de philosophes qui s'y retrouvent et qui échangent pour développer l'activité. La Révolution, bien sûr, arrive comme un petit peu partout en France, donc là c'est la fin de la vie religieuse à l'abbaye de Chancelade, et maintenant il n'y a qu'une 20-25 ans qu'il y a à nouveau une communauté de religieux qui s'y intéresse et qui s'intéresse de plus en plus fortement, puisqu'ils ont réussi à se réimplanter sur le site. Et donc ils ont sur ce site-là un projet important, donc, qui est bien en cours, de faire revivre l'abbaye pour en faire un lieu comme ça a toujours été, un lieu d'accueil, un lieu de culture, mais aussi un lieu bien sûr de culte. Et donc cette avancée de travaux progresse bien avec des participations de mécènes. Donc on aura un logis abbatial qui permettra d'accueillir à la fois le touriste, mais aussi des conférences, des séminaires, et des retraitants donc, qui veulent participer un temps à la vie de la communauté des chanoines de Saint-Victor, hein, qui vivent comme depuis l'origine ici, selon la règle de Saint-Augustin. Nicolas Baudeau, il est né à Amboise en 1730 et il vient assez jeune, étant encore adolescent, à l'abbaye de Chancelade, et il va y faire sa formation et rentrer dans les ordres. On a d'ailleurs les documents qui l'indiquent. Il se passionne d'abord, alors c'est un lieu également donc bien sûr de religion, mais également intellectuel, où il va se passionner sur notamment des questions d'histoire locale. Il participe également à des fouilles à Périgueux, qui est à quelques kilomètres d'ici. Il s'intéresse donc à l'histoire locale, il va participer à un projet important, il écrit même un mémoire sur la manière dont il faut écrire l'histoire locale. Il explique que c'est d'ailleurs un moyen, l'histoire locale est un moyen de réconcilier le peuple, même les gens qui lisent, avec la grande histoire, à travers des lieux de mémoire et des lieux de patrimoine locaux. Et après, pour
participer donc, et pour former cette histoire du Périgord qu'il écrit et qu'il compose et à laquelle il travaille. Il est également en relation avec le ministre Bertin, qui est également un local de la région et qui est ministre contrôleur général des finances à l'époque, entre 1760 et 1764. Et Baudot va aller à Paris, et notamment pour recueillir des documents sur cette histoire du Périgord. Également, entrer en contact donc, avec ce ministre, qui va lui demander des mémoires, différents mémoires sur des questions d'administration, de finances, puisque, semble-t-il, Nicolas Baudot a déjà un intérêt, manifesté un intérêt sur ces questions. Et il, en 1760, il fournit donc plusieurs mémoires, donc 5 ans avant de devenir un physiocrate, et avant donc que cette école de pensée d'ailleurs se développe. Il a d'abord et premièrement des mémoires sur ces questions où il développe une pensée qui est assez proche au fond de celle qui va être développée ou qui est développée parallèlement par Mirabeau ou François Quesnay. Et qui est une pensée dans laquelle la liberté du commerce tient un rôle important, et également une réforme de la fiscalité, cette fiscalité à travers la ferme générale et des impôts qui sont multipliés. Lui veut, un peu à la manière de Vauban dont il s'inspire tout en le critiquant, lui veut réformer en profondeur en vérité cette fiscalité d'Ancien Régime. Et il fournit donc des mémoires que Bertin juge assez négativement puisqu'il pense que les idées sont théoriquement valables, mais du moins il y a un problème de pratique, de mise en pratique qui va renverser un système qui est très établi, le système de fiscalité. Et donc il laisse un peu de côté ses mémoires. Et Baudot va les publier en 1763, c'est-à-dire 3 ans après, au moment d'une brochure qui va d'ailleurs développer la pensée de Dupont de Nemours, c'est la richesse de l'État de Roussel de la Tour, en 1763, où il y a un vaste débat qui s'ouvre sur la fiscalité. Et lui, Nicolas Baudot, se dit, moi j'ai composé des mémoires sur le sujet, j'ai des propositions, je veux faire une réforme globale de l'imposition, la rendre plus juste et plus rationnelle. Et ces idées, je peux les développer et les publier. Donc il les publie en 1763. Mais ce n'est pas ce qui va le faire remarquer. Dupont de Nemours se fait remarquer à cette occasion. Et lui reste en marge, avec des idées proches des physiocrates, mais tout de même en marge de leur mouvement et de leur groupe, qui s'est déjà un peu constitué, qui commence à se constituer du moins. Et il continue des publications. Alors c'est beaucoup sous la forme, il aime ce titre d'idée d'un citoyen sur les réformes. Voilà, il se considère comme un citoyen, c'est l'époque des Lumières qui veut cela. Et il a ses publications et ensuite il fonde une revue sous le titre d'Éphémérie du citoyen, encore ce titre de citoyen, qui va être remarqué cette fois-ci par le petit groupe des physiocrates et notamment ce groupe des physiocrates qui a déjà son périodique, qui est le journal de l'agriculture, du commerce et des finances, qui va être dirigé par Dupont de Nemours, dans lequel François Quesnay va écrire et d'autres. Le trône, et c'est notamment le trône qui entre en controverse avec Baudot, qui est donc l'auteur des Éphémérides du citoyen. Et après quelques lettres, très vite, Baudot se rallie officiellement aux physiocrates. Alors, il y a 2 raisons. La principale, c'est qu'il y a des. Il se rend compte qu'il y a certains principes qui ne sont pas fondés et qui ne sont pas solidement établis, et donc il trouve une structure de pensée qui est plus satisfaisante dans celle de Mirabeau, de François Quesnay, et donc il se rallie à cette un peu structure mentale qui lui fournit une assise intellectuelle plus solide. Et ensuite, il est assez proche, déjà d'emblée, de ses idées. Donc c'est un pas qui est à franchir, qui est assez mince pour lui, et qui lui rapporte beaucoup, parce qu'il est isolé. Il multiplie les publications donc à partir du moment où Bertin lance dans cette voie des questions d'administration et d'économie. Mais il n'a pas, c'est une vocation qui n'est pas solide pour lui non plus. Donc ce ralliement au groupe des physiocrates lui permet également de trouver un milieu dans lequel il peut développer sa pensée et puis écrire. Et donc il transforme ses éphémérides, il devient... rallie également l'école des physiocrates et puis il dirige donc cette fois-ci le périodique plus ou moins officiel
des physiocrates, dans lequel François Quesnay va notamment publier son texte politique le plus important. On aura également les considérations de Turgot, assez célèbre d'ailleurs, sur la formation et la distribution des richesses, qui est un ouvrage qui a été considéré et qui est considéré comme ayant influencé très fortement Adam Smith. Et c'est dans Les Éphémérides du citoyen, donc fondé par Nicolas Baudot et dirigé par Nicolas Baudot dans un premier temps, que ce texte de Turgot va être publié. Donc c'est un auteur qui déjà va prendre sa place dans ce groupe des physiocrates et pouvoir compter déjà et pouvoir manifester sa contribution également. Donc à partir de 1765, Nicolas Baudot, tout en restant d'ailleurs chanoine à Chancelade, va avoir un grand nombre de publications de nature principalement économique sous l'égide de François Quesnay, dont il va être un disciple d'ailleurs très fidèle, peut-être le plus fidèle des disciples que François Quesnay va entretenir. Lui va être vraiment très assidu, très proche. Il parle de 10 années de travail sous ses yeux. Effectivement, on a une proximité intellectuelle très forte avec François Quesnay. Et c'est d'abord à travers les éphémérides, dans un premier temps, pendant les deux premières années, entre 1765 et 1767, il va maintenir ces éphémérides qu'il a transformés en organes de la physiocratie. Et par la suite, étant bien sûr invité, même si donc, il a gardé ses attaches dans le Périgord, il est principalement à Paris pour ses activités journalistiques et intellectuelles. Et il est dans ses cercles, notamment le Marquis Mirabeau, qui a des mardis dans lesquels il réunit les principaux auteurs physiocratiques, dont ils peuvent discuter des articles qu'il publie et également des textes, des ouvrages. Et ils invitent également des notables français et étrangers qui sont intéressés par ces idées nouvelles, qui sont le pendant économique de la pensée des Lumières. Donc c'est une pensée libérale très forte et moderne qui intéresse l'Europe entière et qui est ouverte également avec la langue française très diffusée, très connue dans les cours européennes, et notamment des Polonais qui vont distinguer notamment Baudot, et qui vont l'inviter à venir où il peut encore avoir des missions ecclésiastiques en Pologne. Il va rejoindre donc la Pologne en 1767, un moment d'ailleurs où il va, étant un peu pris par le temps, devant partir rapidement, il publie un grand nombre de textes en 1767 de nature économique, dans lesquels il peut, alors il y a notamment un texte intéressant sur la loi naturelle, qu'il a publié dans les éphémérides, mais qu'il publie également en brochure, dans lequel il travaille les origines des libertés, des différentes libertés humaines, et du droit de propriété. Donc c'est toute cette discussion également ouverte par Rousseau et d'autres sur le droit naturel. Quesnay également, qui a un texte important sur le droit naturel des hommes en société. Donc Baudot participe également de cette recherche théorique des fondements philosophique et intellectuel de la propriété, de la liberté, puisque c'est au demeurant les assises du système physiocratique lui-même, puisque les principaux axiomes de la physiocratie, hors cette productivité naturelle unique, il y a également, effectivement, dans ce programme physiocratique, c'est ce qui marque les contemporains, c'est cette réforme de la liberté du travail, donc la suppression des corporations, qui va être l'un des axes de Turgot au ministère, donc cette liberté du travail, cette liberté également de cette tolérance religieuse, la liberté d'écrire, qui est encore à obtenir, puisqu'en 1764, il y a un édit qui porte condamnation sur les écrits sur les matières d'administration. C'est également le respect inviolable de la propriété privée, qui est considéré comme le socle unique de la société, et le socle qui est, auquel l'autorité doit absolument, que l'autorité doit garantir absolument pour un développement économique certain et une prospérité qui puisse être bénéfique à tous, propriétaires, à l'artisan, à l'ouvrier, aux différentes classes agricoles et également aux pauvres, qui peuvent justement bénéficier d'un mouvement émancipateur à travers la propriété qui soit garantie à tous dans l'intérêt de chacun.
Donc cette propriété, cette liberté qui est défendue. Donc Baudot en examine les fondements intellectuels dans cette brochure, également les différents aspects, une grande défense d'ailleurs de la liberté du travail dans son texte de première introduction à la philosophie économique, où il balaye les différents aspects de la doctrine physiocratique. C'est pour moi l'un des meilleurs textes issus de l'école des physiocrates. Il y a beaucoup de textes qui veulent se concurrencer pour cette place de doctrine et de texte fondateur, mais c'est un texte tout de même très important et qui garde une modernité malgré des points, bien sûr, sur la question de la valeur, des prix et de la productivité qui est critiquée, qui a été retravaillée par les libéraux et les économistes libéraux du XVIIIe siècle et même du XIXe siècle, Jean-Baptiste Say, bien sûr, et d'autres. Mais il y a également beaucoup d'aspects très modernes sur les différentes libertés, sur la propriété privée, sur la liberté du travail. Donc c'est un texte tout de même important qu'il publie en ouvrage en 1771, à son retour de Pologne, puisqu'il y passe d'abord, il fait un premier séjour en 1767, et puis il rejoint la Russie, et il revient après une expérience assez malheureuse. Il y a plusieurs expériences malheureuses d'ailleurs des physiocrates en Russie. Mercier de la Rivière lui-même, qui est convié par Catherine II pour travailler à la réforme des lois et qui est mal accueilli, mais ils ont une démarche qui est un peu dogmatique très audacieuse aussi. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés également en France à faire parvenir leurs idées, à concrétiser leurs idées dans des réformes pratiques. Et donc il revient en 1769. Et il va publier d'ailleurs plusieurs écrits tout au long de sa vie, plusieurs années après également, sur les questions de la Pologne, qui sont des questions d'actualité pour lui à l'époque, mais qui reprennent un intérêt presque aujourd'hui, puisqu'il l'analyse et il critique l'intervention et la présence militaire russe en Pologne. Donc il analyse souvent sur cet aspect-là. Alors c'est une question, la Pologne est démembrée plusieurs fois à cette époque, donc elle est l'objet d'une grande attention d'ailleurs des élites intellectuelles françaises, notamment Rousseau également va travailler sur la constitution de la Pologne. Donc on a la Pologne intéresse, malgré son retard économique et intellectuel par rapport à des grandes autres capitales et autres pays plus proches également culturellement, mais elle intéresse les réformateurs et elle est ouverte aux réformateurs étant sous influence multiple et étant sous des régimes qui la dépouillent et qui la transforment progressivement au XVIIIe siècle. Et lui, en revenant, il a une période un peu d'effacement parce qu'il est également, il émet des idées et il émet des propositions de réforme sur notamment la politique étrangère en question avec la Pologne qui sont mal accueillies par les ministres en place et il est renvoyé à Chancelade. Un peu en exil, hein, premier exil qui le touche. Mais il reprend un peu d'activité économique au moment où Turgot entre au ministère, au contrôle général. Donc c'est la période un peu phare, ou soi-disant phare du libéralisme économique, puisque Turgot va pouvoir mettre en place des réformes qui sont longtemps attendues, qui sont développées déjà depuis d'ailleurs plusieurs décennies, dans l'encyclopédie, beaucoup d'auteurs, et François Quesnay et d'autres, et les physiocrates qui ont pendant 20 ans en vérité, et même précédemment, Boisguilbert, Vauban, qui ont développé des propositions de réforme, et lui va pouvoir donc les mettre en place, et Baudot va donc intervenir à cette occasion d'une manière assez critique, puisqu'il critique Turgot d'avoir une attitude trop sévère, Mirabeau également, beaucoup de physiocrates d'ailleurs ont une image mauvaise de Turgot au ministère, puisqu'il le considère comme un homme un peu brutal dans ses réformes et dans ses idées. Ils sont d'ailleurs en désaccord avec lui sur notamment les questions politiques, d'organisation politique. Beaucoup d'entre eux, du moins, notamment Mirabeau et Baudot, sont monarchistes et ne veulent pas des réformes qui avancent dans la voie des États généraux, d'une forme républicaine, des assemblées provinciales que Turgot et Dupont travaillent. Et Mirabeau parle également de Turgot comme d'un casse-cou qui assemble des réformes qui sont précipitées. Et effectivement, ils ont un perçu critique qui va s'avérer juste, puisque Turgot va être renvoyé après quelques mois à peine.
Et Baudot va être, de manière assez curieuse, un critique finalement de cette œuvre de Turgot au ministère, puisqu'il va écrire et proposer des suggestions de ne pas aller aussi loin, notamment après avoir écrit contre les corporations, il va soutenir qu'il ne vaut mieux pas y toucher, puisque c'est remettre en cause des choses qui risquent d'exploser et de ne pas être tenables, des réformes précipitées. Et il va reprendre, il va être exilé à la suite de la chute de Turgot au ministère. Il va être exilé en Auvergne, puisqu'il a encore eu des audaces dans les éphémérides, qu'il a remis en publication une nouvelle version des éphémérides. Et donc il va être exilé, il va aussi un peu perdre le goût de ses publications, puisque c'est tout de même une perte de revenus et de considération. Il était en train de ranimer les éphémérides depuis 2 ans à peine. Et également, il commençait à publier une réédition des mémoires de Sully, des économies royales de Sully, où il trouvait une des origines, c'est l'un des Sully et d'autres, sont parmi les précurseurs des physiocrates et des libéraux, en tout cas cette lecture qu'eux font de lui, de son œuvre sur la liberté du commerce, sur également la réforme fiscale, sur une justice, sur une économie également aux finances royales. Et donc lui était en train de publier cela et c'est un coup d'arrêt dans ses publications. Et il ne reprendra finalement que bien plus tard. Il reprend également à nouveau les éphémérides en 1788, vraiment à la fin de sa vie, et les ranime une dernière fois et avant de mourir, et de mourir dans des conditions qui sont méconnues d'ailleurs, qui ne sont pas exactement très claires. Il est certain du moins qu'il perd la raison. Il semble, Mirabeau a une lettre à son ami italien Longo où il dit que en 1788 que Baudot est en train de devenir fou, et il dit d'ailleurs, il en plaisante lui-même, puisqu'il dit qu'il n'a jamais été vraiment sage, et que voilà, ils en rigolent. Et quelques années plus tard, quelques mois à peine plus tard, et il semble qu'il perd entièrement ses facultés intellectuelles et qu'il meurt dans des conditions qui sont troubles, mais semble-t-il, voilà, dans des accès de folie où elle a perdu entièrement la raison. Et c'est la fin de cette carrière qui a du même été animée, était très vive, avec des préoccupations qui sont les siennes, de défense tout de même donc du corpus physiocratique et des grandes idées, des grands principes sur le laisser-faire, la liberté du commerce, la liberté du travail très importante chez lui, la propriété, et donc ce travail théorique qu'il a permis et qu'il a participé également à conduire avec d'autres auteurs qui ont pris la suite, Turgot également, qui ont été des très proches, et puis Adam Smith également, qui a un très grand nombre de volumes des éphémérides de Baudot, qui a plusieurs ouvrages, qui a la première introduction à la philosophie économique. Donc il a un grand nombre d'influences sur des penseurs, même Jean-Baptiste Say et d'autres, qu'on va retrouver au XIXe siècle avec des idées proches. Également une singularité dans ce discours physiocratique, puisque lui est plus conservateur, attaché, c'est un homme d'église, attaché donc aux valeurs, combattant le luxe, et très attaché également à la monarchie qu'il veut maintenir, malgré une frange également plus critique de Turgot, de Dupont de Nemours, ou qui sont plus ouverts aux expériences américaines, par exemple, de Jefferson. Donc c'est des situations qui sont très différentes, et c'est intéressant de les analyser un par un pour comprendre cette diversité de la physiocratie, malgré donc ce terme de secte et d'école qui tout de même n'est pas entièrement propre, et on le voit à travers cet exemple de Nicolas Baudot.